Et on se retrouve sur Fada Studio. Hey Billy, est-ce que tu connais Red Shadow Legend? Ouais, je connais, mais... Ok, alors laisse-moi te le présenter. Développé et édité par Plarium, Red Shadow Legends est un RPG au tour par tour free-to-play dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Attends, mais tu veux dire que avec ce jeu, je peux avoir des super vaisseaux comme dans Star Citizen? Non, mais il a mieux à offrir. Avec plus de 300 champions différents issus de 16 factions, Red Shadow Legends te propose de rejoindre les plus de 150 millions de joueurs de sa communauté. Chaque champion dispose de ses propres compétences. Avec un starter comme Galek, à toi les bains de sang de tes ennemis. Mais si tu as l'esprit plus fourbe, Kael et ses poisons t'offriront de magnifiques victoires à retardement. Mais c'est trop bien ça, mais je fais comment pour jouer à ce super jeu? C'est simple, utilise l'adresse disponible un peu partout sur ce stream. En téléchargeant le jeu avec ce lien, tu soutiendras la chaîne et obtiendras un musculeux Galek suprême. Et avec le code promo MARSESP, tu obtiendras des objets uniques dans le jeu. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Et bonsoir à tous les amis, c'est Fanzy pour Fada Studio en compagnie de Oda. Et ce soir, nous allons faire un petit peu de Red Shadow Legends. Red Shadow Legends. En sponsor avant d'aller sur Star Citizen. Bonsoir à tous, bonsoir Matt, bonsoir Joss. Comment t'allez? Salut Joss, salut Matt. Matt, c'est quoi cette intro? Elle est pas classe notre intro, s'il te plaît? Elle est pas un problème, notre pub. Comment ça va, Jojo Lafort? Sur mesure. Merci pour le follow. Merci. Intro sur mesure que nous avons fait nous-mêmes, on nous a rien demandé, on l'a fait. Voilà. Et pour dire les détails, c'est pour ça qu'on s'est donné un peu de liberté quand même quand on l'a fait, c'est de nous-mêmes. Hein. Oui, c'est Oda sur les toilettes le lendemain quand on clique sur l'OP. Francis, on faisait une pub juste pour le LOL. Par rapport à la sponsor, on ne nous a pas demandé de faire de pub ou quoi. On doit faire le jeu, compagnie. Enfin bref, vous connaissez les bails. Mais au niveau de la pub là, qu'on a fait, l'intro du stream, c'est notre décision. On a voulu leur rendre un petit hommage ou quoi, vu que c'est notre première OP en plus. Ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir et c'est ça qui est bon. C'est l'épiphanie des toilettes, voilà. Allez souvent en toilette, passez du temps en toilette, prenez un livre. Ça va et toi? La forme? Quoi de neuf, Jojo? Alors, ce soir, nous allons continuer Red Shadow Legends. Ce soir, on a plein de choses à faire. Vous pouvez voir là-haut le petit panneau qui est passé à 8 sur 12. GG aux 8 personnes qui sont passées niveau 12 en téléchargeant le jeu par le lien Joss vous a balancé. Il y a 30 secondes, GG à vous, et nous avons deux personnes déjà au niveau 25. On va arriver à 3 ou 4 au niveau 25, je pense. Merci beaucoup. Ça va. Donc objectif ce soir, level 25. Level 25, on va passer sur la scène de jeu. Et après sur SC. Et vous allez voir que au niveau de Fada Studio, hop, on est pas loin, mais vraiment pas loin du niveau 25. On est à 67% là du niveau 24. Donc ça va se faire dans la soirée. J'ai joué un petit peu hors ligne. On a boost un petit peu nos champions. Rappelez-vous du chevalier la dernière fois qui en chié sa race face aux ennemis. Pour vous montrer un petit truc ce soir, je peux pas télécharger le jeu, ça me dit que mon email est déjà utilisé. Alors quand tu télécharges le jeu et que tu arrives sur la page d'inscription, normalement tu peux faire avec Twitch directement. T'as un truc en bas, en fait, où ils te mettent le mail et compagnie. En dessous, t'as un truc Twitch et tu peux jouer avec ton truc Twitch direct. Tout en fait. Vous pouvez voir que tout le week-end, vous avez des super raids qui sont dispo parce que c'est des raids plus puissants que les autres. C'est des raids surtout où vous avez de l'XP x2 et où vous avez des récompenses à la fin de chacun de ces donjons plutôt pétés. Il y a des butins de furie, guérison, immunité, bouclier, tout ça. Enfin, moi, j'en ai chopé un sacré paquet. On va vous montrer un petit peu parce que j'en ai farmé beaucoup hors ligne. Après, le level est dosé. Hein. Le level est bien dosé. Ouais, il est très très dosé. Voilà. Pour vous donner l'idée, donc les trucs de base qu'on a en général, c'est les trucs de vie, les trucs d'attaque, défense, voilà, les trucs à deux stuff, compagnie. Regardez un petit peu ce que j'ai chopé en 4, voilà, en furie, en frénésie, en régénération, immunité, bouclier, sauvage, étourdissement, guérison, on en a plein. Voilà, deux jours que le mec se lave plus, dit PMU bonjour à sa femme, boit plus, mange plus. Non, ça va.
Enfin, aussi une petite heure, parce que en fait, quand on avait fait le live sponsor, on connaissait le jeu, mais pas non plus par cœur. Et en fait, à la fin du live, on regarde un peu plus profondément le jeu pour regarder les aspects et tout. On se dit, ah ouais, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues et tout. Beaucoup. Voilà, par rapport au live, il faut savoir que quand vous allez dans le mode donjon, ici, vous avez le labyrinthe du Minotaure. Ce labyrinthe de Minotaure vous permet de déverrouiller des parchemins qui sont très 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 utiles. Donc vous pouvez les spam en boucle histoire de gagner maximum de parchemins. Sachant que chaque fois que vous finissez un raid de Minotaure, ça gagne des parchemins pour un joueur, enfin un champion qui était dans la game. Pas pour tout le monde. Donc il faut en faire beaucoup pour avoir pour tous les champions. Et quand vous avez ça, l'avantage c'est que vous pouvez donner à vos champions. Hop, si je vais dessus. Par exemple lui, vous pouvez lui donner des maîtrises. Voilà. Et vous voyez qu'en termes de trucs, vous pouvez choisir dans les maîtrises parmi deux arbres disponibles. Merci Jojo, t'es magnifique. Grimpe-nous level 12, fais-nous mon test bar. J'ai même pas vu tout ça moi. Voilà, même Oda n'était pas au courant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je vous explique. C'est pour ça que moi je galérais. Voilà. Comprenez donc, pas. En gros, on peut déverrouiller deux arbres. Donc, le premier, ça coûte 5 parchemins, je crois, je dis pas de conneries. Et le deuxième niveau, par contre, c'est à 30. Là, ça douille un petit peu plus. Et ensuite, le troisième, c'est avec des parchemins différents, les parchemins verts. Et ça, j'ai même pas encore accès. Laisse tomber. C'est un bordel monstrueux. Mais vous pouvez déverrouiller des trucs pas mal, comme par exemple résistance aux dégâts, des trucs comme ça. Là, par exemple, sur lui, j'ai dégâts, des coups plus 10%, l'attaque plus 75%, les PV qui augmentent, la résistance, tout ça. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à déverrouiller. Et en plus de ça, vous pouvez aller, parce que nos persos, rappelez-vous, lors du dernier live, on galérait au niveau de la campagne, on ne pouvait pas passer les levels. Si vous allez dans la taverne, on a découvert qu'en mettant un petit perso ici, par exemple lui qui n'a pas ses niveaux à fond encore, vous avez toutes ces fameuses petites bières ici. Quand vous en mettez une, vous voyez, ça en met une et ça lui fait monter de l'XP. Par contre, si je mets max, ça va mettre toutes les bières possibles et ça va lui faire monter le niveau au maximum, en comptant des pièces avec, mais bam, un level de plus. Et ça, c'est beau. Vas-y, continue comme ça pendant encore une demi-heure et je cut ça et je t'ai fait une vidéo tuto comment commencer à Raid Shadow Legends. C'est parti, le mec s'est transformé en wiki. Sachant que notre petit chevalier, je l'ai monté à 4 étoiles, je lui ai mis aussi 4 buffs en perfectionnage chevalier et compagnie. Là, on peut encore lui améliorer sa compétence, ça y va. Voilà, il est pété le chevalier. Chevalier, rappelez-vous que Oda détestait, il va l'adorer ce soir. Non, mais pas du tout, parce qu'en fait, t'as ruiné l'équilibre complet de ton équipe. C'est... Enfin voilà, vas-y, lance une bataille, on va en discuter 5 minutes. Hein. Alors, pour vous montrer, on balance un super raid. Alors, il faut savoir que la difficulté des super raids, vous avez XP x2 dessus, vous avez du super loot. Par contre, le boss qu'on voit ici sur l'image a un truc, c'est que à chaque fois qu'il attaque, donc après le tour de tous vos persos, il récupère de la vie et en plus il vous fait des dégâts. Et ce qui fait que c'est très 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 long. Ah, tu m'as pas mis les contrôles. Ah, j'ai même pas pu voler la souris. Eh oui, non, c'est ballot. Attends, je te mets les contrôles. Merci. Tac, voilà. J'ai le contrôle. Allez, paf. Voilà, il part au niveau 4. On va montrer sur le terrain. On peut pas le faire. Niveau 4, on peut pas, Oda. On y arrivera. Sûr. Ah oui, sûr. Niveau 3, ça passe, sans problème. Je vous montre ça dessus. Non, mais c'est un problème de stratégie. C'est en auto, donc si tu veux jouer auto, Oda, enlève le auto. Sans auto, ouais, bien sûr. Mais qui opti, quoi. Voilà, vous pouvez voir le chevalier avec le staff qu'on a mis. En fait, à chaque fois qu'un ennemi meurt, le premier ennemi meurt, il récupère des PV. Et quand il attaque, il récupère 30% du coût de son attaque en PV. Ça, c'est pété. Et elle, je connais pas du tout en perso en plus, tu vois. Là, alors, elle vient d'arriver, tu peux tester ses attaques, elle a des trucs pas mal. Je vais t'expliquer un peu ce qu'elle a. Alors, attends que j'y arrive. Vas-y, fini. Alors voilà. Ouais, alors, donc, elle a une attaque. Ça, c'est l'attaque basique solo pour un seul personnage. La deuxième attaque, c'est un éclair pareil sur un seul personnage, mais qui fait pas mal de dégâts. Et la troisième attaque, ça fait pas mal de dégâts. Et en plus, ça peut mettre un effet araignée. Un malus araignée au perso que tu attaques et du coup il devient beaucoup plus sensible à tout ce qui est poison. D'accord. Voilà. Ok, let's go. Je te laisse test. Bah ça. Ça a l'air bien. Voilà. Ah bah. Voilà. je sais même pas l'effet, je vais pas pouvoir explorer. Donc voilà, non, en fait l'équilibre qu'il y avait avant dans l'équipe, c'était vraiment, lui c'était le problème de l'équipe. Alfonsi, il t'a forcé pendant 4 heures pour le garder dans l'équipe, le mec. Ouais, mais regarde. On sent que le mec, dans l'équipe, il est... La puissance du bonhomme, quoi. Et il est même pas niveau problème, max, alors que les autres, oui. Il est bien, mais les autres, dans le coup, paraissent complètement pourris. Non, parce que... non, ils font leur taf quand même, hein, mais... Ouais, mais non.
pas comme ça. Mais lui, il tape, clairement. Ouais. Mais de toute façon, il tapait déjà à la base. Le seul truc qui lui manquait, c'était de la résistance. Et là, clairement, il fait le taf. Hein. Y'a pas de problème. Alors elle, tu vois, par exemple, le truc qu'il faut savoir avec ce boss, c'est que quand il a le bouclier devant lui, faire les attaques spéciales qui peuvent donner des debuffs, c'est pas bon parce que le bouclier bloque les debuffs. Oui, et à chaque fin de tour, il gagne full heal, énormément de heal si on n'arrive pas à faire sauter le bouclier. Il faut lui mettre 5 coups pour ça. À chaque fois qu'il attaque, en fait, attends, je prends la souris 2 secondes, vas-y. Il a le bouclier qui se recharge niveau 5. Donc faut lui mettre 5 attaques dans la tranche ou des attaques très très fortes pour lui enlever 2 niveaux d'un coup, de manière à ce qu'il ait plus le bouclier et qu'on lui fasse des dégâts. Bon, vas-y, tu peux y aller. Voilà, tu m'as piqué la manette des mains. Il m'a tout pris. Voilà, faut mettre exemple, une double souris. Un coup niveau 4, bam. Et voilà, lui comme il met 3 attaques niveau 1, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça. Et là, le dégât. Oui, bah par contre, ouais, voilà. S'il n'y a pas de régène. Ah, ça passe bien, là ça passe bien ce tour. Oh, bah, Gradu, on a dû faire le tour d'après, hein, juste pour montrer les limites de ton système. Bah, tu montres que de bon compté. Hein. Regardez contre ce boss, level 11 seulement, comment ça marche. Bah, après, au pire, lance-toi sur la campagne, tu vas voir que la campagne, au niveau où on en est, même là, ça commence à devenir compliqué. Hein. Bah, je sais pas où on tournait. Bah, c'est toi qui as joué. Au même endroit que la dernière fois, j'ai pas avancé. C'est vrai? On était avec les ogres et compagnie qui nous faisaient galérer. D'ailleurs, au pire, tu refais le niveau final des ogres et après la suite. D'accord. C'est toi qui as joué. Voilà quoi. Lui, c'est ce qui finit full. Ah, pas mal. La puissance de la funk. Nous voilà. Allez, mode de campagne. Vas-y. À mon avis, ça va rouler dessus. Hein. Donc là, on en est à Palais d'Avaria. On n'a même pas fini d'Aravia. Ah non, il n'y a que les premiers qui ont été faits. Ah ouais, non, mais là, ça va sauter. Mais ça se complique, tu vois. En termes de niveau, déjà, ça durcit, quoi. Ouais. Pas vraiment. À moins que ton équipe, en fait, soit moins forte que ce que je pensais. Alors, faut savoir que lui, Kael a un bonus aussi maintenant. C'est-à-dire que tant qu'il a ses PV full, il fait plus 25% de dégâts, je crois. T'as les buffs qui m'aiment. Ok. C'était que le premier. PV perdu, 0. Non mais voilà, tu vois, il a toujours des problèmes, hein, il n'arrive pas à finir ses ennemis. Oui, bon, t'inquiète. Est-ce qu'il est si bien que ça, je ne crois pas. Merde. J'ai oublié que c'était pas une attaque de zone. Mais ça, tu vois, c'est le bon truc que t'as pas. C'est... allez. Mais ça va passer quoi qu'il arrive. C'est pas des boss non plus, là. Ouais, mais ça commence à devenir costaud. Hein. Ouais. Lui, tu pètes lui et déjà, t'es beaucoup plus tranquille. Voilà. Même pas des vrais buffs. Au début à ce qu'on faisait au tout début où c'était en mode rigolade, là ça galère un peu. C'est, plus, hein. C'est ton équipe qui galère pour moi. Le problème vient de l'équipe, de l'équipe et non bien pas, sûr, non pas des moi ennemis. Aussi, ouais, voilà. Il est beaucoup trop fier de son équipe. Bah oui, elle est trop bien. Mais non, tu veux dire que c'est moi. Vas-y, montre, vas-y, ton tour. Ton tour, allez, montre-moi que tu la maîtrises mieux que moi. C'est parti. Je reconnais pas mon équipe il y a deux jours. Effectivement, un petit peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Hein. Capable de finir son ennemi. Ah.
Il y a le poison, voilà. Certes, mais voilà, c'est le poison, c'est pas lui. Non, mais attends, non, mais il y avait le poison, c'est tout. Tu m'as vendu du rêve, mais voilà, oh, ça bosse. En fait, tu vois, il te manquera voilà. Un deuxième perso avec des frappes de zone, parce que quand on a deux avec des frappes de zone, tout de suite, c'est autre chose. Ah, forcément. Eh oui, non mais oui, faut y penser. L'équilibrage. Ouais, l'équilibrage, ouais. Ah ouais, c'est ça. Next. On rappelle là c'est en x2, hein. C'est plus rapide que il y a deux jours on avait fait que du x1, on n'y pensait même pas. C'est ça. On n'y pensait même pas à mettre en x2 en fait. C'est pour montrer naturellement la beauté des animations. Évidemment. Tout était prévu. C'était calculé. C'est bien qu'on calcule tout, on est comme ça, on est très calculateur. Bim. Et bim. Ça va, ça va. À toi, vas-y. Après, le chevalier il prend quand même, je trouve. Oui, bah heureusement. Il prend, mais en même temps il se recharge à chaque fois qu'il tape, donc tu peux y aller quoi. Ouais, mais tu as mis une béquille quoi en fait, c'est tout. Mmh. Ouais, mais la béquille est efficace. Hein. Ouais. Mais. Ouais. On va voir. Si ça passe au boss propre, sans qu'il meure, je dis pas. Tu sais quoi, je m'emmène jusqu'au boss. Au moins, vas-y. Tu pourras toujours te raccrocher sur le fait que non, mais c'est ta faute, t'as pas fait ça, et puis voilà. Vas-y. Je te laisse faire. Spunk. Par contre, il tape fort. Oui, il tape. Il tape très très fort. C'est possible fort. De le mettre en plein écran. Alors oui, tu vas sur ton... À gauche, tu as un truc d'options. Tu vas dans les options graphiques et là, tu as plein écran. Ou c'est en cliquant sur ton perso en haut à gauche, je crois. Je sais plus. C'est un des deux. Soit c'est en haut à gauche, soit c'est le petit carré que tu as sur la gauche de l'écran. Ça va. Là, bizarrement, ce tour, mieux que le tour d'avant. Ouais, bizarrement. Hein. Attends, j'ai l'impression de faire les mêmes choses. Tiens, à le moitié boss. Au pif, quoi. Tiens, le boss. Ouais, bah non, ouais, il va le passer. Si on enlève le boss, ça va le faire. Non, mais vas-y. Allez, j'y retourne. Eh ben, bon courage à toi. Tu vas voir, le niveau 12, ça va très vite. Hein. Un niveau 12, ouais. C'est quoi, nous c'est... nous péter cette barre pour qu'elle arrive à 9 sur 12. N'hésitez pas, les Max, amis, hein, à le faire aussi. Max une demi-heure, je viens. Au max. Hein. Ouais, un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, ça dépend de comment vous vraiment jouez. Vraiment, si tu vas tranquille, que tu découvres et compagnie, 45 minutes, une heure. Ah. Après, si tu rushes comme un malade, ouais, 30 minutes, tu le fais. Prenez quel, hein, en starter, ça passe tout seul. Pareil. Vous êtes toujours libre de choisir, mais si vous voulez opti, c'est lui. C'est ça. Et après, pour ceux que, voilà, qui ont le courage, la foi, niveau 25, si tu arrives, Jojo, bah, j'ai gros GG à toi. Parce que le 25 c'est plus long, hein. Tu vois, nous on y est pas encore, on y arrive ce soir. Je sais même pas si c'est une limite au niveau des EV dans le jeu. Alors je dirais 60, le même niveau que pour les persos, mais je suis pas sûr. Bah le grand classique. Voilà, World of Warcraft a dit en 2005, hein, on Allez, met le level boss. 60. Tous les jeux font level 60. Le quoi. Boss. Tape le boss. C'est donné à The Norm. Mais non, pas mal. La strat, c'est les mobs en priorité, le boss si possible au passage. Au passage. Tu veux la jouer pour un. Au passage, le boss il a pris mid life presque. Oui, non mais oui. Bon, ça c'est les dégâts de zone. Je laisse la vie tourner, je repasserai quand je serai level 12. Yes, vas-y. Bon courage à toi. N'hésite pas d'ailleurs à mettre le code Jojo si tu l'as pas mis, MarsSESP. En code promotionnel, tu vas sur la petite barre à gauche, tu auras un perso supplémentaire cheaté de ouf. Un perso rare. Voilà.
Le meilleur que vous pouvez avoir techniquement c'est Galaxy Prime. Réellement ça. J'ai même pas le temps de lire l'histoire quoi et le lore bordel. Ah mais oui mince. J'ai tout skip en mode vue réflexe. Allez vas-y suivant next. Tu peux remettre. Je suis sûr qu'on peut remettre. Je sais pas si on peut. Vas-y je refais. Fait le boss. Voilà. Effectivement en fait c'est passé tout seul. J'ai critiqué vite mais. Je pense qu'en fait c'est surtout le type de perso qu'il y avait au début de ce raid là qui était pas adapté on va dire. Parce que c'est comme tout tu vois, le moment où on va tomber sur un donjon où vraiment les mecs vont faire du DPS de ouf, bah vu que ouais. on n'a pas de heal, Attends, je te le mets dans le chat, c'est comme ça. Voilà, tu mets ça en code promo. Non, c'est un S majuscule, mais je sais pas si ça. Non. Tu vois, non, moi non, je l'avais respecté. Le premier S n'est pas majuscule. C'est ce qu'il y avait marqué sur la feuille de la sponsor. Revérifie. Bon, d'accord. Ah, c'est pour ça que j'avais mis mon majuscule dans la pub et ça choquait personne. C'est passé tout seul. Mais voilà. Je remercie de lire ce que je marque dans les vidéos, bien sûr. C'est là qu'on voit que la pub a été vite fait, quoi. Comment vous savez qu'on atteint le level demandé? Eh ben écoute, regarde en haut du live là, il y a un écran, tu vois. Là, il y a marqué level 25, 2 sur 2. Et level 12, on est à 8 sur 12, à l'heure actuelle. Tu peux le voir avec ça. La progress bar. The progression. Ah, ton chevalier est moins frais qu'avec moi, hein. Tu vois, c'est toi le problème. Voilà, ouais, c'est pas le chevalier. Tout ça, c'est ouais, regarde. Hop. Souvent le problème entre le chevalier ouais, et la souris. Bah, regarde, le chevalier, ouais, bien sûr. Ouais. Moi aussi, ouais. Oui, ah, le chevalier, bim, voilà. Ouais, non, mais il a quand même pris plus cher que tout à l'heure. Mais fallait écrire un truc en téléchargeant le jeu. Alors, non, pas en téléchargeant, c'est tu peux aller dans les codes promo qui sont sur la gauche, en plus, et tu peux débloquer un héros supplémentaire dans le jeu. Voilà, on montrera dans le menu à la rigueur. Je vais vous montrer dès qu'on a fini là, ce qui va pas être long, voilà. Donc, on va aller au bastion. Voilà, en gros, attendez. Vous allez ici, sur ce petit écran ici, vous faites code promotionnel et là vous pouvez marquer le code. Donc je le remets comme il doit être écrit, MarsESP, et vous débloquez un perso supplémentaire, un héros que nous n'avons pas parce qu'on l'a pas fait sur Fada. Nous on a décidé d'en chier. Voilà. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas ouais, mais même si je le mets maintenant, on peut plus le mettre. J'ai essayé. En fait, ah, j'ai oublié mince. De le mettre et si on le met, on peut plus. Voilà. On est trop level, on est plus considéré comme nouveau joueur. D'accord, ouais, effectivement. Voilà, voilà. Par contre, il y a d'autres codes disponibles aussi. Si jamais vous avez déjà utilisé le code MarsSESP, vous pouvez par exemple ici mettre le code Demolish, comme ceci, qui fonctionne, qui vous donne 50 multibatailles, des petits bonus en plus. Et il y en a encore d'autres. Regardez même sur internet, vous verrez, il y a plein de codes disponibles. Et vous voilà. Pouvez en utiliser un toutes les 24 heures. Voilà. Bien sûr. Ne rêvez pas et vous faire une méga liste et spammer toute la soirée pour avoir un perso. Voilà, non. Ça marche pas comme ça. Allez, moi je propose, on va aller faire vite fait un tour en arène et on va aller voir un petit peu les joueurs, là, ce que ça vaut, parce que vous voyez, on enchaîne les victoires ici. Non, mais ça, je pense regarde. qu'il faut. Voilà, y a que des niveaux 30 en bas, non, tout non. En bas, le dernier, regarde. C'est, elle est nulle, non, il faut plus. Bah, vas-y, vaut plus que ça. Vas-y. C'est fait. Tu vois, il y en a presque. Ah, et regarde-moi ça. Vas-y, non, mais j'y vais. Tu vas? On y va. Attends, 18k. Ouais, on y va. Oh, la barre de vie. La barre de vie. La barre de vie de grand malade. Oh! Oh, le heal qui se tape. Ah oui, oh, c'est un ça boss. Ça. Hein, mais ça. Oh, le boss. Ouf, ouais, non. What? C'est mort. Dafouk. Là, c'est mort. Oh my god, le gap. Le gap est total. Ah, c'est mort. C'est mort d'avance. Oh là, ton cul. Oh bah là, qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux? Il passe juste à côté, l'autre il enchaîne. C'est mort, quoi. C'est mort d'avance. Même son. Oh là là. Regarde, je fais 0 en dégâts. Bah, réessaye en tapant droit sur lui, peut-être. C'est ça. Ah, sa barre de vie a bougé par contre. Elle est plus aussi grande d'un coup. Ah! Ouais, faut le taper lui. Ouais, en fait, faut le focus ouais. Tout de suite. Ouais, il est horrible. Ouais, mais même le focus, t'as vu le level qu'il a, une attaque. Ah, t'as reculé. Alors, bah tu vois, j'ai ouais, mis les premiers équipes tout de ouais, suite. Hein. En même temps, bon. Direct. Allez, on retente. On va essayer lui direct, mais attends, il y a un truc. Attends, analyse, il y a un truc avec sa barre de vie. Là, attends. Elle est énorme, mais j'essaie. Elle baisse à des moments. Vas-y, frappe. Prends.
Ouais, c'est un boss. Hein. Ouais, c'est genre le... Oh regarde, regarde. Allez, moins un. Moins un. Oui, mais comme tout à l'heure, il a eu un debuff. Il y a un gros debuff de vie. C'est le stuff qu'il a. Le stuff qu'il a fait que quand t'attaques un de ses collègues ou quoi, il récupère des PV et tout ça, tu vois. Mais c'est mort, jamais je l'aurai. C'est pas fou. Je fais rien en dégâts. C'est même pas la peine. Ouais, ouais. Je laisse tomber ici. C'est pas la même peine. Pas un quart. Même pas le quart. C'est même pas la peine. Ah, je t'ai fini. Après, après niveau 50, hein. Ouais, mais même sans ça, tu vois, ils sont que deux et lequel il mais est. Mais niveau 50, légendaire. Voilà. J'ai jamais eu l'occasion de tester un en phase. Donc bah, on va tester celui-là, regarde. Ma vie. Hein. Non, mais 9000, là tu vas le rouler dessus, y'a aucun perso. Ah non. Ah non. C'est le principe. Tiens, regarde le Galek. Le fameux Galek. Allez, bien. Ça part. Il résistera. Allez, bonne journée. Ah. Et voilà. Là, c'est l'inverse, quoi. Voilà. C'est pas pire d'ailleurs. Ah putain, mais attends, ça y est. Ah oui, bah oui, oui. Zéro son du micro. Ça fait combien de temps? Voilà, Netfox, putain. Bah je sais pas, mais personne nous le dit. Si personne nous le dit, comment on le sait? Désolé. Voilà, bon, c'est pas grave, vous kiffez, c'est pas grave. C'est ce qui compte. Et pourquoi on avait fini le micro Je pense que c'est tout à l'heure quand j'ai écrit je sais plus combien de chiffres et que du coup, bah ça a appuyé sur les touches pour le micro. Bref, c'est donc pas grave. Donc depuis PayPal. Ouais, depuis PayPal après, ouais. Depuis qu'on a déverrouillé un perso légendaire, mais si personne nous le dit. Mais oui, heureusement que t'es là, Netfox, tu vois, parce que personne nous a prévenu, quoi. Bah oui, en plus, oui, très clairement. Voilà, bon, là, on sait que c'est mort, hein, il reste que deux persos, mais voilà, c'est pour le fun. Pour montrer qu'on est là, je passe au bout. Ça partait bien, mais tu vois, comme quoi, les premiers à mourir, c'est le chevalier et Kel. On peut essayer d'aller voir si on leur augmente les PV, s'il y a moyen. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Voyons voir. Ouais. Alors déjà, voir. Bah tiens, ce qu'on va regarder, je vais vous montrer un peu, notre ami Kel, on va aller à la taverne. Il est combien d'étoiles? Il est 3 étoiles, donc déjà on va essayer de le passer 4 étoiles. Voilà. Hop, on va virer ça, on va virer ça. Il nous en faut 3ème, on va virer le nain. Ah oui, mais faut que tu le retires de ton équipe défense d'Aren. Ouais, ouais, bah. Tu mets la on met lui à la place, on va enlever elle et on va mettre lui à la place, voilà. Allez hop. En même temps. Bastion, taverne. Alors, quel on a dit on vire. Hop, non, pour augmenter le rang. Tac, tac, et le nain. Le nain, on s'en fout. Ça dégage. Quel niveau 4? Voilà, donc là évidemment on va mettre ce qu'on peut pour lui monter déjà des levels. C'est un bon début. On met la max. Et on met ça aussi, on lui met la max. Un demi-million, ah ouais. Ouais ouais, ah ouais, mais là il est niveau max, niveau 40, hein, il y a pas de... Voilà. C'est la max. Maintenant... Ah t'es passé 2 à ton tournoi. Et 93% pour arriver au niveau 25. Netfox d'ailleurs, quand est-ce que tu joues à Red Shadow Legend? Parce qu'on t'a pas vu là. Hein? On te voit sur le live, mais quand est-ce que tu nous soutiens, mon ami? Quand est-ce que tu montes au moins niveau 12? 40 minutes mais de temps de ta vie. Est-ce que c'est RTX peut faire tourner Red Shadow Legend? Bien sûr. Parce que normalement oui, vous avez même pas besoin de RTX. J'ai un gros virus, voyons, c'est cela, ouais. Alors... Connard de virus. Connard de virus, tout ça. ça c'est bien, on va lui laisser. Qu'est-ce qu'on peut lui modifier? Quel qui peut être bien? Bah c'est la vie, c'est le problème. Le problème c'est qu'hormis le critical, c'est sur la life et sur la défense du coup. Life ou défense, mais le problème c'est qu'il y a que en life que tu vas trouver ton. Là c'est les taux critiques, donc on aurait les bottes et le casque. Où est-ce qu'on a des bottes et du casque en deux qui peut être bien? On a pas la life. T'as pas en life? Là on a bottes et casque en mode furie. Est-ce qu'il m'entend? PV 1%. Si oui, je t'entends. Oui. Ah oui, d'accord. Ah, il s'en fout, d'accord. C'est en plus, ça. J'ai pas de PC. Bah, voyons. T'as pas de PC? Comment tu joues à Star Citizen sur portable? Vous aussi, ouais, Star Citizen sur portable. Ah oui, mais non, mais le mode Fury, c'est 4. Merde, c'est pas 2. Sur console. Ok, d'accord. Je valide. Ok. Ah, c'est pour ça le pilotage de l'aurore à la manette. Ouais, je comprends. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah oui, non, y'a pas de bot. Bah, on peut, si lui faut plus de PV, au pire on met un full set PV. On met ça. Bah non, parce que l'ours, non, ça a PV ça. Avec des clés de base. Oui, non, mais on peut lui rajouter encore plus avec le casque et les bottes.
quelle date. Ah oui, mais j'ai pas les bottes là. J'ai pas les bottes. C'est ce que... Mais il m'écoute pas, hein. Si, si, il m'écoute pas, je lui dis plus tard que j'ai pas les bottes. Non, mais ouais, mais. Quel menteur. Lui, on va le boost encore plus. Vrai truc, quand t'as revendu le nain, tu l'as déséquipé. Parce que fondre les persos, c'est bien. Mais l'équipement, ne l'oubliez pas. Oui, bon, c'est pas grave. Parce qu'il est fondu, je pense. C'est pas grave. Parce qu'ils font avec le personnage dans la lave. Oh, immortel, ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Par contre, je suis en train de me dire, Fonzie. Un oui. Buff, un debuff d'étourdissement, si tu arrives à le placer sur ce boss là, c'est fini pour lui. S'il se prend sur un tour entier dans la tronche. Ah oui. Non, non. Mais ouais, si ton perso peut étourdir ce boss en face, ah, là, un tour d'étourdissement, 3. Le boss est quasi fini. Là, on est à niveau 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je vais trouver juste un tour de vie, il prend ça, un tour mais full dégâts. Pas de problème, on lui fait là et celui-là, on lui fait. Voilà, on lui met tous à niveau 8 et on est bon. Moi je dis ça peut le faire. C'est Sinistrat osé, mais ça peut le faire. Et donc une console avec une RTX. La classe quand même. Exceptionnelle. Ouais, incroyable. Du ray tracing sur console. Allez, c'est fait level 12. GG, regarde, ça s'est pas encore actualisé au-dessus. GG, Mosquito. Mais ça va venir. GG. T'as fait vite. T'as fait sacrément vite. Je trouve. Oh, sacrément vite. Bah, si, dans la moyenne. Vite, dans la moyenne. Il a fait moins de 30 minutes, je crois. Après plus de 30 minutes, les gens traînent les pieds. Vous abusez. Oh, le mec. Je rigole. Full tryhard. Lol. Hop, niveau 8. Ça part. Bah GG à toi. Et merci ouais, d'avoir participé. Mais fais en auto. Mais non, en plus, tape. Regardez, il connaît pas tout le jeu. Améliore au niveau de 8. Paf, allez, il fait tout seul. Voilà. Oh là là là. T'avais pas la roue crantée, Fandy. Ça te dérange crantée. De cliquer ou comment ça se passe? Il voudra pas l'avouer, mais en fait, il avait pas vu qu'on pouvait cliquer sur la roue crantée. Si, mais ça te dérange, c'est pas grave. Tu cliques, c'est pareil. On n'est pas à ça près, non, là, on c'est est en direct. Chiant. C'est pas comme si on allait boire un café le temps que ça monte au niveau 8. Bon, si tu veux, allez, non, mais ça on peut, plaisir. On peut non, discuter mais avec les gens, tu vois, mais qu'est-ce que je vous faites sais, dans ça la fait vie plaisir. Voilà, est-ce voilà, que vous voilà, connaissez voilà. Red Shadow Legend? Encore. Je propose des trucs, moi. N'empêche que tu le fais. Bah, je t'ai dit, je le fais si ça te fait plaisir. Oh, vraiment, tiens, amuse-toi donc. Ouais, amuse-toi donc, fais ton plaisir. Amuse-toi à attendre pendant que je me clique. Regarde, ça gaspille notre pognon. Il aurait été gaspillé quoi qu'il arrive. Ou pas. Si. Bon, lui il est full niveau 8, on peut lui mettre un plastron et des gants en plus. En tier 2, qu'est-ce qu'on a? Gants et plastron, on peut lui mettre la précision, on peut lui mettre les dégâts critiques. Taux de critique. Là on a pas de gants, on peut lui mettre de l'attaque aussi. Après lui son vrai but ça va être d'étourdir. Bah on lui met de l'attaque, comme ça en plus il fait des dégâts. Tu vois, j'ai déjà les gants ici. Ouais. En fait, il faut arriver à anticiper le moment où il... Le moment où il va taper dans l'équipe en fait. C'est ça qui va être la clé, il faut qu'il soit limite en fin de tour en fait. Ouais. Donc pour ça, il faut qu'il ait la vitesse plus basse que ses compères. Tu vois, oui. Oui, tout à fait. Il vérifie sa vitesse. Ou alors avant-dernier, parce qu'avec tes persos qui peuvent enchaîner, ça fait. Déjà comment ça tourne. Même mieux ça serait dernier parce que moi c'est une garantie d'une fois sur deux de pouvoir y tourner. C'est ça. Allez. Le niveau 8. Allez, 1 million de dépensés, bravo. Tout cet argent foutu en l'air. Il a combien? Il a combien? Il a 103. Écoute, on va voir ça. De toute façon lui il est équipé. Kale doit être moi plus ce rapide. Que je voulais mettre c'était à Kale justement. Et plus rapide. Lui mettre. Hop. Par contre ça va dégager ces trucs là. Ah, par contre Kale 75% de critique le type. On va dégager 65. Ces trucs là. Par contre on va mettre ça à la place. Ah bien vu. Allez, on va plus avoir de si. Du tout.
rapide aussi. Le plus rapide, après c'est quoi le perso? Faut regarder les gros persos. Ok. Next. Hop là, je vais trop vite. Ça. Améliorer. Nope. Et même pas vu. Quand t'auras pas réussi, ça aurait été encore ta faute. Comme ça, toujours pareil, quoi. Toujours. Ok, c'est valide. Maintenant, par contre, les trucs que j'ai récupérés sur Kel, à savoir les attaques divines, donc qui mettent quand même attaque plus 15%, PV plus 15%, auto-bouclier pendant 3 tours. Moi, tu mets un cas du vert. Peut mettre ça sur un autre perso, donc c'est arme et bouclier. Pas lui. Voilà. Banco. Cherche pas. C'est tout désigné, le chevalier qui était déjà pété. Voilà, le chevalier qui était pété le sera encore plus. C'est normal. Tout va bien. Voilà. Par contre, attends, vitesse. Non, lui, il est fast. Attends. Bien. Ah, c'est peut-être lui qui risque d'être plus lent. Lui est plus lent, effectivement. Le dernier à jouer, ça sera le dernier tier 4 que t'as eu. Bah écoute, après, on va voir. On va voir ce que ça donne, on va retester. Alors, si tu peux travailler à vitesse tout de suite, c'est garanti pour moi que le coup. Parce qu'en plus, t'as que 38% de chance que ton coup est tourné, c'est pas fait non plus. À celui-là. Allez. Non, mais non, je m'en fous pas, mais. Faut qu'on regarde, on va voir. Non, mais. Non, mais. On vit vraiment dans une saucisse. Hein, moi, je mets en auto. Voilà. Je regarde. Ah, ça veut pas cliquer auto pour remonter des items là. Mais... C'est vrai qu'il a mieux joué le premier tour qu'on l'a joué tous les deux. C'est vrai. Alors que l'IA c'est un peu tout et n'importe quoi, hein. Elle peut vous faire n'importe quoi sur une tour, mais un tour elle peut vous faire des trucs goldés. Maintenant. Allez, c'est parti. Tu laisses en auto? Attends, non, j'enlève l'auto. Ah oh ouais, allez, pas déconner non plus. Ah parce que le mode auto à un moment un boss qui est limite Ah bah là déjà. Si tu peux les tourner. Ah dommage, un tour près j'étais bon. Hop. Allez allez allez. Non mais ça réduit le contour de tour. Bon, y'a plus rien. C'est parti. Hop. Classique pour l'instant. Ah, il a. D'accord, les trois autres ont pas le droit de jouer. Ok, ok, ok. Non, c'est vrai, je pense Monsieur si c'est pas aléatoire. Si c'est pas aléatoire, en fait, quand t'arrives, ça barre d'initiative. Mmh. J'ai jamais fait gaffe. C'est bien. Après, au moins. Ouais, c'est pas fait, hein. T'sais, mais si ah, tu oui, les tournis, franchement, tu peux faire à au moins une demi-barre de vie. Sûr. Ah bien. Il est pris cher. Il a pas été tordu. Mais c'est surtout que l'allié qui l'a appelé, c'était bon. Là. Ok. Et après un debuff d'attaque. Ouais, mais non, mais tu pars mieux que la partie d'avant, déjà. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, en fait, t'aurais pas eu besoin de faire ça. C'était le tour qui était pas vraiment en ta faveur non plus. C'est ça. Là. Par contre, je suis pas sûr, vraiment pas sûr qu'on puisse étourdir un boss. Ah, ouais, je sais pas. Bah là, il a mis deux coups, c'est 38% de chance, ça reste cohérent avec les chances pour l'instant. Ça suffit de pas avoir de bol, tu sais comment ça marche. On va pas le faire, on va faire ça. Hop. D'accord. Un peu de protection, choix ça étrange, sert toujours. Ça sert toujours. Oh, regarde, là hop. Par contre, là, boum, bam, boum. Plus de la moitié, c'est mieux que le tour d'avant. C'est déjà bien, ouais. Mais ça tient mieux avec elle, par contre, surtout lui, et donc ouais, tu sens le buff. Hein. Ouais.
sent le bon. Du coup, comme il recharge ses PV à chaque fois. Ça sent le bœuf de Kobe, ça. Premier choix. Mais bon, c'est chaud quand même. Ça tient. Hein. Mais C'est chaud, mais. Elle, comme son attaque elle sert pas grand chose, je vais quand même faire ça. Ouais. Au moins, ça a le temps de se recharger en attendant. Tant qu'il reperde de la vie. Il a au moins pris ça. Mmh. Je le sens quand même, donc c'est bon. Non, ça a remonté très léger pour moi, mais bon. Oui, c'est remonté tour, à la fin, mais par... il était là à la base, donc là, il est revenu ici, donc c'est quand même descendu. On va se battre pour un bout de barre de vie. Vraiment. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il se fait tourner sable. Hein. Voilà, là ça pique. Hop, un petit buff là-dessus. Ça va passer, mais il aura pas fait 10 tours de plus quoi. Oui, voilà. C'est ça. Clairement ça. Mange ça. C'est le moment où ça pique. Tour d'après. Tour d'après ça. Ah, oh, quoi que. Peut-être pas. Ah bah attends. Bim. Bingo. Okay. Ça passe. Oh les jolis cadeaux qu'on a eu. Voilà. Bon, par contre, le niveau suivant, on n'y pense même pas. Ouais, mais attends, ça se trouve, t'as peut-être le level 25 avec cette victoire sur le fil. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. 98%. Oda, je te laisse accomplir le niveau 25. Let's. Mais ce que tu veux. Go. That's your choice, bruh. That's my choice, bruh. Nouvelle campagne. Stepping inside the township of Tilshire, the company realized they had entered a trap, for the gates were slammed shut and barred behind them. Très très étouffé. The people, visibly entranced, were herded by orcish guards to an inner court where Bad El-Khazar, the dark necromancer, was lording his power. Merci à Jojo, à Mosquito. Merci. Merci à vous. Niveau 25 à faire péter encore, nous ça va rajouter un de plus. Pour ceux qui sont motivés. Si t'appuies pas sur le touche Oda, tu passeras pas la suite. Hein. Ah, sensing the presence of stronger spirits, the necromancer suddenly roared out. On t'impose le rythme. On a bien vu. Mais j'entends pas les voix, je sais pas quand il a fini ou pas en fait, vraiment. Là il a fini. Guards, arrest them. Guide-moi, je suis sourd. Queen killers. Give no quarter should they resist. Stop. En morse, mais mec, je suis pas avec toi, que je suis sourd. Ça ne marche pas. Ah, tu vois, tout de suite, ça monte. Hein. C'est des tirs 4 en face, hein, maintenant. Voilà, voilà. Ben, vas-y, envoie. Avec ta nouvelle moi, équipe. Moi, je pense qu'on les pulvérise. Je pense aussi. Voilà, t'as les 4 premiers, ça suffit. Tac, 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 tac. Alors oui, non, faut que tu mettes le champion au champion. Sinon, ça marche pas. Ça c'est change grave. Pas l'ordre dans lequel il passe. Hein. Ça, pas grave du tout. Bien, on s'en fout. Tu vois, c'est pas grave, ça ne va rien changer. Oui, non, mais dans tous les cas, ça va rien changer. Hein. Changera pas le schmilblick. Super. Ben non, quand même, pas au premier tour. Après, tu sens que ouais, pour un premier tour, ça score déjà des. Ça commence à piquer un peu plus. Bon, ça fait le taf, hein, mais ça force. Ça fait le café, oui, ça fait le café. On avait des battes au standard. What? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? This is the end. Dum, dum, dum. On va mettre la max. La max qui a été discrète pour une fois. Ouais, ouais. Ouais, ils sont. Allez, pas bien vus en face en plus.
meilleur encore. N'était pas son meilleur. C'est ça. Allez, voilà. Ah, pas niveau 25. Hein. Pas niveau 25, bah, voilà. Allez, la suite. Oui, aucune compétence d'aura, alors attends. Là, faut mettre lui en premier, voilà, parce que comme ça, son équipe. Oui, non, mais quand tu mets lui en premier, en fait, il a ça, en plus, qui rajoute des dégâts au... Qui rajoute des dégâts. Ah, c'est pour ça, moi, j'allais au pif. Oui, clairement, je dis, c'est chef, juste ils sont dit deux minutes avant le fight, oh, c'est toi, chef, ce coup-ci. C'est vous, le chef, chef. Non, moi, c'est la démocratie, tu vois, ça tourne. Oui, mais j'ai bien compris. Ça ouais. Change de chef à chaque fois. Avec toi, on vit dans une saucisse et on n'a pas le droit de décider. Bien sûr. On est vraiment dans une société. 100%. Allez, hop, bonne journée. Boîte de jeu. Tiens, toi. Voilà. Pulvérise. Ouais. 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 Hop là. Bah alors, fais-moi la maligne toute seule. Et voilà! Dernière fois que je vous mets. Regardez les amis, ce compteur là-haut de 2 sur 2 qui va passer à 1 sur 2! On passe un palier! Alors en combien d'heures, Fandi? T'as une idée? Alors, combien d'heures? Bon, après nous on a bien découvert, on a pris le temps, oui. On a fait pas mal bah de oui, choses. Le live. Donc, bah justement, sous ces conditions-là. Voilà. Donc normalement ça devrait aller plus vite. Combien d'heures? Attends, parce que j'ai joué un petit peu avant le premier live. On a fait 4 heures de live le dernier coup. J'ai dû jouer. Une heure avant, un peu plus. 1 heure, 5 heures, 6 heures. On doit être à 7 heures, à peu près. D'accord. Voilà. Donc, on va dire 5 à 6 heures pour arriver au 25. C'est voilà. Pour la cohérence, on donne cette fourchette. En rushant le jeu, ouais, tout ça. De nos estimations de pifométrie absolue. Hein. De bonjour, j'ai 10 heures de jeu, alors voici le bilan. Et d'ailleurs, je vois, Oda, bah, c'est parfait, tu vois, on passe le niveau 25, je vois qu'on est à 1h15 de live et qu'on avait dit 1 heure à Shadow. Pour ensuite... Tu t'en mets dans un lavabo. C'est Star bon. Citizen. Je t'entends. Oui, Star Citizen. J'ai entendu que ça, j'ai entendu. Alors, Oda. Et ça a coupé. Star Citizen. Oui, tu bah écoute. Donc, Oda, on avait dit 1 heure de Red Shadow et 3 heures de Star Citizen ou plus. Ouais, on c'est a ça. Dépassé et... 1 heure de Red Shadow. Ouais, donc... t'as menti. Bravo. Ouais. Qu'est-ce qu'on a, là? On a gagné des récompenses. Des thunes. On en manquait. Et d'ailleurs, je remarque que nous avons ceci, et pour vous montrer, parce que je sais même pas, on va déverrouiller la mine. T'as assez ? 500. Pam ! Ouais, j'ai assez. Voilà. Donc nous avons maintenant accès à la mine, avec le niveau 1, qui fait que ça va nous miner des gemmes rouges de temps en temps. Donc ça, c'est... Toutes les combien ? Qu'est-ce qu'ils ont marqué ? Niveau 1 sur 3 toutes production, les 4 une toutes 48. Les 4, toutes les 5 heures, on va dire. Temps avant d'être plein, KB. Voilà, faut se connecter tous les jours pour... Voilà, et tous les jours, vous pouvez récupérer, ça met un jour et une minute à être plein, bam, on clique, 5 gemmes de plus. C'est cadeau, voilà. Et nous, on va s'arrêter là avec nos 1% du niveau 25. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que fin de l'OP, elle continue quand même. Pour ceux qui voudraient jouer sur, il reste c'est jusqu'à dimanche soir. Voilà. Sachant que là on est plus en OP, donc là on va refaire le stream, on va mettre en pause. Je propose donc une ultime fois de mettre. Bien sûr, on vous remet la sponsor une dernière petite fois, notre petite pub qu'on il a réalisée avec souhait. On va enchaîner même les deux dernières histoire de montrer voilà, tout ce qu'on avait fait pour ce live. On s'est éclaté à faire, ce qui va nous servir de coupure pub le temps qu'on fasse ses réglages. Il fait faire des trucs en direct quoi. Non mais sérieux, attends. Mais elle était pas prévue l'autre. Alors attendez, bougez pas. Mais non, moi j'avais pas prévu tout ça. Voilà, maintenant ils ont un écran noir, ils se demandent où on est. Le live part en couille, tout ça. T'es où? Allez les amis, on vous laisse là-dessus, on vous balance les deux publicités d'affilée et on se retrouve sur Star Citizen en suivant. A tout de suite!
Eh bien, salut à tous les amis, c'est Fanzy et on se retrouve sur Fada Studio. Hey Billy, est-ce que tu connais Red Shadow Legend? Ouais, je connais, mais... Ok, alors laisse-moi te le présenter. Développé et édité par Plarium, Red Shadow Legends est un RPG au tour par tour free-to-play dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Attends, mais tu veux dire que avec ce jeu, je peux avoir des super vaisseaux comme dans Star Citizen? Non, mais il a mieux à offrir. Avec plus de 300 champions... Eh bien, salut à tous les amis, c'est Fanzy et on se retrouve sur Fada Studio. Hey Billy, est-ce que tu connais Red Shadow Legend? Ouais, je connais, mais... Ok, alors laisse-moi te le présenter. Développé et édité par Plarium, Red Shadow Legends est un RPG au tour par tour free-to-play dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Attends, mais tu veux dire que avec ce jeu, je peux avoir des super vaisseaux comme dans Star Citizen? Non, mais il a mieux à offrir. Avec plus de 300 champions différents issus de 16 factions, Red Shadow Legends te propose de rejoindre les plus de 150 millions de joueurs de sa communauté. Chaque champion dispose de ses propres compétences. Avec un starter comme Galek, à toi les bains de sang de tes ennemis. Mais si tu as l'esprit plus fourbe, Kael et ses poisons t'offriront de magnifiques victoires à retardement. Mais c'est trop bien ça, mais je fais comment pour jouer à ce super jeu ? C'est simple, utilise l'adresse disponible un peu partout sur ce stream. En téléchargeant le jeu avec ce lien, tu soutiendras la chaîne et obtiendras un musculeux Galek suprême. Et avec le code promo MARSSESP, tu obtiendras des objets uniques dans le jeu. Raid Shadow Legends.